Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur FIFA 17 mobile. Donc pas un match mais autre chose. Aujourd'hui on va plutôt, je vais aller un petit peu sur le marché, voir si on peut encore s'acheter un petit joueur et liquider les 31 000 crédits qu'on a. Et on passera après, on fera un petit peu un match en ligue et peut-être un multi-attaque avec, des live. Bref, un petit peu vidéo comme ça. Parce qu'il n'y a plus trop de choses à faire sur FIFA 17, c'est un peu la fin. On attend forcément la suite en novembre, qui va sortir au cours de novembre. Donc c'est bientôt ça. Faut être patient. Bon, c'est pas le truc qui a le plus important en ce moment pour moi, mais voilà. Donc on va voir si on peut remplacer Nani pour notre 4-3-3, puisque on a un bon 4-3-3. La défense, c'est bien, on va la laisser comme ça. Mais j'aimerais bien encore. Au milieu, c'est bien, c'est pas mal. Même pour le 4-4-2, c'est encore mieux. Devant, c'est bien, mais j'aimerais quand même bien remplacer notre Nani si on veut être en 4-3-3. Ce serait sympathique, mais ouais, je me dis que si on joue en 4-4-2, on va plutôt voir pour Zabaleta alors. On va plutôt voir pour Zabaleta à droite, voir ce qu'on aurait dans le marché, puisqu'en général, les défenseurs sont moins chers que les attaquants. Donc, on va aller en poste. On va sélectionner. Enfin, non. DD. On va voir juste là. On va sélectionner un prix. Donc, en max, j'aimerais pas dépasser forcément 30 000. Max 30 000. Offre actuelle, bah, je sais pas. Enfin, offre actuelle 25 000, j'en sais rien. Et achat pour avoir une chaîne mesure. Oui, bon, je mets n'importe quoi. Normalement, il risque de me trouver quelque chose, mais. Enfin, non. Oui, 28 000. 27. 27 500. Non, c'est un peu trop ce que j'ai mis. Il va à 30 000 du coup. Voilà. C'est parti. Alors, ouh, alors pas mal. Ah oui, j'ai oublié de préciser. La note. Bah, minimum, forcément, il est à 80, donc minimum 83. 150? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais voilà, tu mets n'importe quoi. Max, je sais pas, 85. On peut aller plus loin si on peut trouver un 86, tu sais. Non, pas 800. Mais je sais pas ce qu'il met. C'est un peu bizarre. On va pas mettre la note. On verra si on trouvera un joueur parce que réinitialiser ça, voilà. Allez, c'est parti. On va chercher. Bon, pour au moins trouver quelque chose élite pour parce que là, ça va durer trop longtemps sinon. Je fais n'importe quoi. Ouais, donc là, on va passer. Donc, type, voilà. C'est ce que je voulais faire avant. Allez, là, comme ça va aller plus vite, forcément. Quoi? C'est tout? À 28 000! Mais c'est cher! Ah, prix de départ. Ok, on va un petit peu modifier alors. Pour avoir achat immédiat, on va faire ça. Alors, on va faire 19 000. Comme ça, on va leur mettre la pression. S'ils ne trouvent rien, ok. Ouais, bah voilà, j'ai déjà plus de choix. Et forcément, j'ai que trouvé à 80. Je vais que trouver à 80. J'ai pas trouvé mieux. Par contre, j'ai plus de choix. Donc, ouais, les gens, ils sont pas débiles. Ils vont. J'aurais un Daniel Alves qui aurait été sympa, mais il est que 80. C'est dommage, j'aurais bien voulu le remplacer comme on Zabaleta à 82 là. Comment je peux faire? Faut encore que j'augmente alors, hein. Faut encore que j'augmente. Hein. On va passer à 20 000 alors. Hein. 20 000. Et là, je vais le mettre à 25 000. Il me trouve qu'à 80, hein. J'ai 80 de notes. Hein. Et 81, il n'y a même pas. Regarde, 81, Carvaral. Il n'y a même pas. 1,82, juste un 82. Là. Il n'y a même pas de 82. Tiens, Walker, il a Manchester City. Il y a qui avant que ça m'a étonné? Zabaleta, il a West Ham, mais non, mais il a 20. Ouais, bon. Ah oui, c'est Danilo, voilà. Danilo, il est parti à Manchester City, lui aussi. J'aime bien recruter Manchester City quand même. Hein. Carvajal, ça m'intéresse pas de toute façon. Après, moi, il me faut minimum 82. On peut continuer comme ça. C'est fini. Non,
Notre général saisissait la fourchette min-max. Bah, 85. 83, 83. Mais c'est furieuse. 82, alors. Hein. Ok, donc ça sert à rien, cette note générale, ça sert à rien. Si je vais direct dans max, ça fait quoi? Ah! Mais non, mais il n'est pas capable de m'en trouver, du coup, il faut que je mette plus. Je mets quoi, 86? Ok, donc là, il va tous me les sortir. Il va tous me les sortir et... C'est ceux d'avant. Et si je fais réinitialiser en bas? Ça, par exemple. Ça, réinitialiser. Et je fais juste comme ça. Ouh, ouais, intelligent ce que je viens de faire, pas mal. Ah oui, mais du coup, j'ai plus de prix là, attention, hein. Donc là, maintenant, ça va aller plus vite. De toute façon, ça va être réglé, hein. Voilà, et là, il y a des 82. 155 000 pour un 82, lui, il va jamais le vendre, hein. 84, 78 000, ouais. 47 000, c'est cher pour un 82, quand même, hein. 97 000 pour un 81, jamais vu ça. Je pourrais faire une capture d'écran, là. Zabaleta. Qu'on a déjà. Aaron Fran, 80, c'est pas... Ils sont pas à 82, je sais pas, à 30 000. Juste 30 000. À 83, j'aurais bien voulu avant tu... Oui, je vois Tottenham, c'est vrai. Aurier. Ah, lui, il était pas cher pour un 86, Nelson Semedo, c'était pas cher, mais... C'est le premier que je vois qui est pas très cher. J'allais non plus avec lui avant qu'il vient et... Oh. Coleman, je l'ai déjà en DLD. Faudrait que je vende, sinon pour avoir plus de crédit, mais c'est pas l'objectif là maintenant. De toute façon, sinon on va passer, hein. Un peu moins cher les abats, oui, mais c'est abats, ouais, mais c'est à 180. Sanya, 110 000, mais faut arrêter aussi, hein. Il n'y a rien, tout est trop cher maintenant. C'est pour ça qu'avant on trouvait rien. Regarde, à 83, 235 000. Je sais pas qui a mis ça, mais il va jamais le vendre. Hein. C'est pas possible de vendre un truc du genre. Il faut être fou pour acheter ça. Je peux encore un peu chercher, mais d'après moi, on trouvera rien. Ouais, non, on trouvera rien. Ah, Philippe Lameau, 35 000. Ou attendez, attendez, attendez. 35 000. On va s'arranger pour tout ça, c'est pas grave. 35 000. Comment je pourrais avoir 4 000 crédits comme ça? Attendez, je sais la technique qu'il faut faire. Tout réinitialiser. Lame. C'est comment ça s'écrit? Oui. Mais je veux la carte de base, hein. Je veux la carte de base, hein, parce que... En DD. 35 000, c'est celui-là, mais c'est celui d'avant, mais là, 35 000, mais il n'y en a pas un qui va le vendre à 30 000. Ah, prix de départ 25 000, ouais, mais dans 8 heures ça va se mettre, c'est pas la peine. Allez, c'est pas la peine. 35, oh, mais pourquoi ils le vendent tous à 35 000? Mais je vous demande juste 5 000 crédits de moins, 5 000, et c'est pas énorme quand même, s'il vous plaît, c'est pas énorme. Là, lui, 35 000, mais on dirait qu'ils sont vendus par l'ordre de. Attention, là, il y en a 3, c'est bon. On est foutu. J'ai encore un peu d'espoir parce que j'aime bien avoir de l'espoir, mais là, 35 000. 34 000. 35 000, oui, mais. Oh. 32. Oh non, non! Ou 30 000. Ou 30 000. J'avais de l'espoir. J'avais mis. Allez, on est à 424 crédits. Mais on avait Philippe Lam à 83 en DD. Ça va être pas mal. Ça. Lam, c'est un très bon joueur et j'ai envie de le tester. Voilà, donc on a eu ce qu'on voulait maintenant. On remplace Zabaleta et on met Lame. Et il passe même à 84. Voilà. 84 direct, donc c'est bien d'avoir un défenseur comme ça. Et on va du coup partir en... Bah, on va commencer par un multi-attaque, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Et après, je pense qu'on arrêtera... Enfin, on fera peut-être encore un petit match en ligue où on verra ce qu'on fait. Ou sinon,
on arrêtera ici. Voilà, je vous montrerai après prêt à jouer. Là, vous voyez, essayez de voir en haut à droite. Là, j'ai 947 points FIFA. Je ferai une petite vidéo de 3-4 minutes pour ouvrir un pack à 1000 points FIFA dès que j'en aurai 1000. Hein. J'essaierai de bientôt en avoir 1000 pendant les vacances. Là, ce serait bien. Donc voilà, là, on va juste faire un multi-attaque et après, on s'arrêtera là. Donc voilà, et cette semaine, il y aura encore le Parlons Racing. Et sûrement, et bien sûr, la vidéo qui arrivera. Donc le dimanche, sur le Parlons Racing qui arrivera avec le match. Bah, un petit extrait. Du coup, j'aurai une petite vidéo jeudi. Voilà, cette vidéo aujourd'hui, mercredi, qui sortira mercredi. Je la tourne pas, il n'est pas mercredi. Bon, je la tourne, il est lundi, mais je vous ferai, ne vous inquiétez pas. Une vidéo pour pas que vous n'ayez pas de vidéo de mercredi à dimanche. Allez, la fuite. Partir à l'attaque, faut se mettre à l'abri très vite avec la passe pour Pastore. La frappe de Pastore, le but, l'ouverture du score. Voilà, le but, c'est qu'on te fasse des trucs assez stylés, qu'on tente des machins. Allez, le but, ça, c'est pas trop bien joué, mais bon. Bon, on va pas trop tester Philippe Lam, du coup, hein, puisque là, on est un petit peu... En défense, ça fait quoi si je lui passe, si je me fais une passe derrière, il y a Philippe Lam ou pas? Ouais, il était pas loin, on va passer à Philippe Lam alors. On va voir ce qu'il est capable de faire. Ah, j'ai tenté un petit, mais c'était pas génial. Allez, on tente, voilà. Non! Non! Je te dis de passer à Philippe Lam! Non! Mais... Vas-y, là, il y avait Philippe Lam pour une fois qu'on aurait pu lui passer, bon. Malheureusement, ce sera pas pour maintenant. Le centre en première intention et le but de Pastore, j'aurais dit. Là, passe derrière, si. Non, mais je croyais que c'était l'âme. Il est où l'âme? Mais il est trop bas là. Ah, j'ai pas très bien tiré ce corner hein, de ma part. C'est l'âme là, ici? Non, toujours pas. Lam, ouh! Le premier centre, il est très bon de Philippe Lam et le but pour son premier centre et son premier ballon touché le but sur un beau centre de Philippe Lam et victoire 4 buts à 0. Donc en tout cas, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. Moi j'avais déjà ouvert un petit pack joueur quotidien où il n'y a toujours rien. Moi je vous dirai à la prochaine. Abonnez-vous, j'aimerais bientôt avoir les 50 abonnés. Et voilà, en tout cas, sinon j'espère que mes vidéos vous plaisent. Il y aura bientôt la nouvelle intro qui sortira. Ce sera normalement plutôt la semaine prochaine, avant que ça reprenne dans le week-end de la... Pas le week-end de cette semaine, mais encore le week-end... Bah bref, le week-end juste avant que ça reprenne, voilà. Puisque je crois qu'on reprend tous en même temps. Zone A, B ou C, tout le monde, voilà. Bonnes vacances à vous, profitez bien. Ciao tout le monde, c'était Lucas.